chains. All this time with you, I took the pain. Knew that it was wrong to stay. So I told myself I'd walk away. I think I'm ready now, ready now, ready now. And I'm so over you dragging me down. Just wanna let it out, let it out, let it out. Feel so free, gonna shout it out loud. Without you, I'm limitless. Allez, tout est prêt, tout est bon, tout le monde est présent. Allez, installez-vous. Toi au fond, là, au fond de la pièce, là, je te vois là. Évite de faire du bruit quand tu bouges ta chaise. Oh putain, ça commence bien quand on est bien barré. Salut à tous. Tu oublies, il fait beau. J'aime le chocolat. Ouais, mais attends, le temps, c'est à l'extérieur, c'est dehors, quoi. Dehors, vous imaginez, les gars, sortir dehors, mais ça, c'est un truc de fou, ça.
Jamais on fait ça, nous. On est des geeks, des vrais nerds, en fait, enfermés dans leur cachot, dans leur sous-sol, dans leur cave. Devant 4 ou 5 écrans d'ordinateur. Voilà, on est comme ça. Tout c'est cool, j'y croyais perso. Ah oui, mais tu peux y croire, hein. Tu sais, ça tient qu'à toi. Hein. À mon avis, quelque chose me dit que ça participe grandement au fait que je sois de bonne humeur, en fait, que vous soyez là, bien sûr. Croyez-moi. Et puis on va commencer, on va faire une petite journée complète de Blender, de modélisation. Et c'est pas dit, j'ai vraiment envie d'attaquer le combat dynamique, en fait, des persos. Je vais peut-être, si ça me prend, on va peut-être commencer à le coder aujourd'hui. Vraiment avoir des ennemis qui nous attaquent en temps réel et les repousser les vagues d'ennemis comme ça pour le fun, pour voir si ça marche bien avec le gameplay. Je sais pas, on va voir si j'arrive à me réveiller un petit peu. Sinon bonjour à tous et puis on va démarrer la j'ai pas envie d'appeler ça de la modélisation artistique parce que c'est pas le cas du tout. On va faire un peu de la débrouille sous Blender et puis on va faire des petits objets graphiques. Salut Seb. Bon salut à tout le monde, salut Saltine, salut Smile, salut Mike, j'ai vu des doudous qui étaient dans les parages, Saltine aussi. Ça faisait un petit moment Saltine. Tu manquais. Salut à tout le monde et puis allez hein, il faut bien débarrer un petit moment. Allez où la touche. Trop de taf ouais. Ouais mais c'est normal on est tous là. Donc tu vois l'avancement est pas mal. On a fait pas mal de choses. Je vais baisser le son de la musique, vous inquiétez pas. Je vous connais, à tous me crier dans les oreilles, dans le chat. La musique est trop forte au départ. Je vous connais. Mais faut bien se réveiller un petit peu. Alors quoi de beau? De votre côté, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà en week-end? Est-ce que vous êtes prêt pour votre week-end? Et qu'est-ce que vous allez faire de votre week-end? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end, mais j'ai prévu des trucs qui vont être plutôt cool sur Goddess, en espérant que j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu là ce week-end, parce que de toute façon, j'arrive jamais à faire ce que j'ai prévu, mais ça devrait être pas mal. Donc, j'ai texturé hier soir un petit peu ce qu'on a fait hier. J'ai apporté un petit peu de couleur à tout ça, donc maintenant on a un petit environnement encore très droit, hein. Va falloir que je défonce un peu tout, mais on commence à avoir un petit environnement sympa au niveau du bureau, c'est encore un peu vide, j'ai l'impression, je vais peut-être réduire un poil le couloir, de toute façon je ferai d'autres pièces, et puis on a encore des petits éléments à faire, une fois qu'on aura fait les éléments, on passera donc aux chambres de la garnison. Donc on avait commencé à faire ça il y a quelques semaines. On va travailler là-dessus, on va modéliser tout ça, on va apporter un peu de couleur, on va défoncer un peu le carrelage, on va essayer de vraiment donner vie à cette pièce. Voilà. Salut Anthrax, comment ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de faire donc une petite plume et un encrier. On va poser sur la table. J'ai prévu de faire des lingots d'or, de métal, etc. On va en caler quelques-uns, la ranger dans le tiroir et peut-être on va en mettre partout. On va en mettre partout pour le fun. Je vais faire un petit chandelier aussi. Il va falloir apporter un peu de lumière. Peut-être des balais et un râteau aussi on fera. Je vais mettre des petits balais, des trucs comme ça avec un seau. Et après donc on attaquera le dortoir de la garnison. Et on fera les couvertures, le lit, peut-être des tapis aussi, j'ai prévu. Donc pas mal de petites choses. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, est-ce que mon objet, là, il loge ici, là? Ouais, ça loge. J'ai calé le porte-arme. D'ailleurs, je vais mettre un petit morceau de bois par-dessus, je pense, là, en plus. Mais je l'ai calé sans faire exprès, et ça l'a mis correctement. Impeccable. Alors, on est parti. Donc, on va commencer par la plume. Ça, je vais le faire en primitive data. Donc, j'ai deux types de modélisation. J'ai une modélisation texturée avec du baking sous substance.
où on apporte pas mal de détails, un petit peu comme tous les gros objets que je fais, comme la table, les chaises, tout ça. Et j'ai des objets donc en Primitive Data où je fais que des aplats de couleurs, comme les bouquins, le parchemin, ce genre de choses. Là où on n'a pas du tout de texture. Voilà. Donc là, je pense que la plume, on va la faire en aplats. J'aurais pas dû ouvrir ça. Ah oui, c'est vrai que je me suis fait un nouveau workflow. Donc maintenant, j'ai un dossier en cours et je fais toutes mes modélisations là-dedans. Comme ça, je les positionne correctement dans mes dossiers une fois validés. Ça m'évite de partir dans tous les sens et de me désorganiser tout le temps en stream. Voilà, donc on est parti là-dessus. Et là, je vais faire donc une petite plume. Je sais pas du tout comment on va la faire. Au niveau de la taille, c'est pareil. On va peut-être faire l'encrier d'abord. Comme ça, je pourrais poser la plume à l'intérieur. Ok. Alors, on va ajouter. On va ajouter, on va ajouter. On va faire un petit cylindre. Un cylindre à 8 faces. Radius 20. Hauteur 10. Et on va essayer de voir au niveau de la taille ce qu'on va faire. Donc je vais exporter ça pour commencer. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau ce matin? J'ai vu, il y a... J'ai pas vu beaucoup d'images sur... Il y a des personnes qui m'ont partagé en privé ce qu'ils faisaient sur le défi de l'arme. C'était plutôt cool, franchement, ce que j'ai vu. N'hésitez pas à lâcher des petites images ou des trucs ici sur le mur. Vraiment, histoire de donner... De faire peur un petit peu à la concurrence. Et puis, n'hésitez pas à montrer un petit peu ce que vous faites sur le mur. Mais je me demande si vous avez avancé. Il y en a qui sont contents de ce qu'ils ont fait là pour l'instant. Sur le chat. Oui, ils dorment tous parce qu'ils ont bossé comme des malades sur toute la nuit, à mon avis. Ceux qui ont bossé dessus. Alors, je vais aller dans le dossier en cours. Boulot pour mon client, pas le temps de bosser sur le défi. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Je me doute. T'inquiète. Pas du tout content, Dark Wishard? T'as bossé dessus, toi? Ah oui, tu me l'avais dit, ouais. N'hésite pas à demander des trucs. Oula, c'est un peu gros l'encrier là. Je commence à bien poncer substance là. Je vais partir comme ça plutôt. Tu manques de temps libre. Ouais. Franchement, les journées ont été mal codées. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez longues. Elles ont été très très mal codées. Je sais pas. Dieu, il a codé avec le cul. Hein. Franchement. Alors, je fais exprès de le faire un peu gros pour qu'il soit un peu grossier. Je pense qu'on est bien là. Ouais. Alors. Je vais découper en 4 fois comme ça. Je vais resserrer un petit peu ça. Pas trop non plus. Comme ça. Je vais redescendre un petit peu ça. Je vais resserrer celui-ci. Celui-ci. J'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Au niveau des touches.
Ça marche, Dakawashir. Merci beaucoup. Comment ça va, les lamentins? Bah, ça va, écoute. On se réveille tranquillement, là, sous Blender, comme d'hab. Et toi, comment vas-tu? Ah, mais c'est marrant, j'ai un truc très curieux, là, je suis pas en majuscule, non. J'ai un raccourci bizarre, là, actuellement, sous Blender, là. Il me fait des trucs vraiment, vraiment space. Je vais regarder si j'ai pas des paramètres. Ah, mais je suis en face, d'accord. Je me disais, il y avait un truc bizarre. C'était le paramètre que j'avais ajouté hier soir pour faire les dés à la con. Alors, donc là, on est bon. Je vais reculer un petit peu ça, là. Comme ça. Je vais faire un petit extrude. Ça, on va le serrer un petit peu. Petit encrier, je pourrais même faire une face là. Non, on s'en moque. Ça va, rendez-vous annulé 2 heures avant, pas cool. Heureusement, je ne suis pas encore parti. C'est les choses qui arrivent malheureusement. C'est vrai que c'est toujours chiant. Là on est bon. Ensuite je vais utiliser mon style habituel. Donc ça comme ça. Ça comme ça. Faut que je fasse un truc parce que hier j'ai tourné tous mes objets dans le mauvais sens. Je sais jamais en fait. Je vais ouvrir mes autres fichiers, on va voir. Je sais jamais dans quel sens c'est. Je crois que c'est vers Y. Ok, on va voir ça. Faut que je le rentre dans ma tête parce que j'ai changé toute ma technique en fait pour pouvoir sortir mes objets. Donc c'est face à Y, à X, à moins X en fait. Ok. Alors faites pas comme moi, hein. C'est vraiment que j'ai un système un peu particulier. Hein. Donc là il faudrait que je sois face à ici. D'accord. Je pense que je vais mettre une grosse flèche en fait dans mon environnement. Non, je vais le retenir, moins X. Donc. Je vais partir ici, ici. Comme ça. Comme ça. Ici, on va prendre la face, on va faire un AC. On va rassembler tous les points au centre. On va faire la même ici. Voilà. Donc là, on a notre petit encrier. On va placer donc. On n'a pas besoin de faire les UV pour l'instant. Je vais juste les faire rapidement. Comme ceci. Je me demande si j'appelle ma texture là-dedans. On va l'appeler, ouais. Donc
fréquence 512. On va l'appeler donc primitive. Je vais aller chercher mon dossier donc de texture primitive PNG. Voilà. Comme ça je serai tranquille. Salut Brock, comment vas-tu? Donc ça pareil, je vais l'appeler primitive. Et on va faire notre texture directement ici. Comme ça, on est bon. Ou presque. Voilà, on est bon. Je vais le faire, ouais, comme ça c'est fait. Je vais créer donc un deuxième UV. On va faire normalement pour les lettres. Alors là j'ai un peu de déformation, ça va être pour, à cause de ça. Voilà. Il faudrait que j'ai une petite découpe donc ici. Celui-ci. Je vais prendre les faces qui sont là. On va les amener dans du noir. Ok. Allez, ça c'est bon. J'exporte ça. On va lui mettre la primitive. Et on aura notre petit encrier ici. Bon, au niveau taille, on voit que dalle, hein, mais c'est normal. Et donc, je vais faire la plume qui va avec. Je vais pas faire un noir pur parce que ça se verra pas beaucoup. Juste comme ça, je pense. Ok. Alors, au niveau de la plume, je vais commencer par quoi? Je pourrais partir d'une courbe, mais j'ai envie de partir d'un cube en fait, tout simplement. Je vais appeler ça donc encrier. Je vais faire un petit dossier. Et l'encre, il faudrait qu'elle fasse cette taille à peu près. Enfin l'encre.
La plume. On va faire ça, je vais la découper. Comme ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ma face qui est là. Et on va la tordre. Sauf que moi je veux la tordre depuis son individual.origine. Ou alors, je vais faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a moyen de prendre ça en fonction d'un point qui serait par là-bas? Je peux pas. Ah oui, c'est là. Salut Alain, t'arrives au bon moment. Tu vas m'en faire des conneries comme ça. Je vais bouger mon point un petit peu. On va le mettre par là. J'ai mal calculé mon truc là. Ou plutôt par là. Ouais, je peux pas monter plus haut, donc je suis obligé de le descendre ici. Voilà, comme ça. Je me lève avec la tête dans le... Normal, ouais. J'ai bossé sur l'arme jusqu'à 5h du mat. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, j'avais raison. J'en étais sûr. Au lieu de regarder Avatar. Mais t'es trop nul, fallait regarder Avatar. Qu'est-ce que t'as foutu, mec? Bravo. Il est fou ce Alain. Alors, on va resserrer un petit peu ça. Comme ça. Et donc je vais faire la plume, peut-être le resserrer un peu sur X. Alors je vais désactiver ça quand même. Comme ça. Il faudrait resserrer en haut du coup aussi sur Y. J'ai fait de la merde. On va laisser comme ça. Je vais juste resserrer cette partie. Alors, comment je vais faire ça là? Petite coupe par ici. Je vais extruder tout ça.
Ah, c'est peut-être pas la bonne idée, ça. Je suis assez d'accord, Alain, ouais. Je suis trop vieux pour ces conneries, Dave Doudou. Y a pas d'âge pour être passionné, je suis assez d'accord, Anthrax. Tout à fait d'accord, totalement. Je valide à 100% ce que tu viens de dire. Partir comme ça. On va ranger tout ça. Certain, c'est que ces points-là, ils vont arriver là-bas. Oh merde, j'ai tiré dans le mauvais sens. Je me disais que les faces étaient pas dans le bon sens, c'était pas normal. Voilà, c'est mieux. J'aurais pu faire un truc droit en symétrie et déformer après quoi. Ouais, ça va être naze hein, ce que je vais faire là. Ouais, ça va pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. J'ai envie de tout gicler là. On va mettre ça de côté. Alors, je vais la faire autrement. Je vais faire un plane. Ça. Ça. Et ensuite, je vais dessiner un petit peu ma plume. Quelle galère. C'est dur à faire une plume en fait. Ouais, je sais pas non plus, ouais. Non, non, mais vraiment, je bloque sur une plume, quoi. On va utiliser une nouvelle technique, hein, parce que je vais pas y arriver. Pas comme ça, en tout cas. Alors, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. On va utiliser une image. De background. Et on va essayer de choper une image. De plume. Parce que je galère trop, quoi.
Salut Tsuyi. Ça va, et toi? Alors, une plume, une plume, une plume. Une jolie plume d'encrier. Tiens, ben voilà, on a des plumes là. On utilisait des plumes de quoi? C'était les plumes d'oie, hein, je crois, pour écrire hein, à l'époque. Hein. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ce matin? Est-ce qu'il pourrait avoir de la gueule là sur mon truc? Alors on va partir là-dessus. Alors, est-ce que tu prends les liens toi directement? Ce serait cool. Non, tu veux pas? Voilà, enregistré. C'est pas mal, hein? Comment on resize ça? Ok, on peut resize. Super. Donc moi ce que je veux, c'est avoir un truc comme ça. Comme ça. Là on est bon. Et alors si je veux copier ça... Si je travaille comme ça, je vais ajouter donc un single vertice. Je vais caler ça. Pile dessus. Tac. Alors j'ai jamais fait ça. Et je suis pas trop fan de ce genre de technique, mais... Mais on va voir. On va voir ce que ça donne. T'as vu ça les détails? Pas joindre là, c'est pas grave. Ok, donc là j'ai mon image qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. C'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus d'image. D'accord, c'est que quand je suis en mode face. Ah, c'est pas con ça. C'est pas mal. Du coup, tu peux mettre des backgrounds sur chaque côté. Je vois la technique. Pas con du tout ça. Du coup, t'as plus rien qui te gêne quoi. Non, 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 je vais vraiment faire une plume. Je vais pas faire de sprite. Pas besoin. Parce que j'utilise pas de texture en fait sur ces objets-là. Donc, à partir comme ça. Si je faisais une alpha, ça me forcerait à faire une texture. Okay.
On va donner un petit peu d'épaisseur à tout ça. On verra après. Et du coup, je vais prendre un nouvel objet. C'est mon point, c'est curieux. Très curieux. Si je fais un extrude, ça marche pas non plus. Il y a un problème. J'ai vraiment des problèmes de raccourci ce matin. Je peux pas le déplacer mon point. Je peux pas extruder non plus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là je peux le déplacer. Et là je peux pas. Ça me fume. Faut rien faire. Ah mais c'est chiant. Comment je vais faire? Il faut utiliser un système de particules en mode air pour faire des plumes. C'est beaucoup plus joli. Salut Macast. Ouais, j'ai jamais fait ça. Allons. C'est peut-être le moment de le faire, pourquoi pas. Est-ce que tu veux prendre le temps de me montrer? Bah moi ça va, je me réveille tranquillement vendredi matin et tout. Facile à faire, oui je me doute, hein. Quand on connaît la technique c'est toujours facile. Par contre j'ai un souci que j'arrive pas à comprendre là. J'ajoute tout simplement une cell gun vertice que je peux déplacer. Non je peux pas la déplacer visiblement. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouf, je comprends plus rien. Attends, je rajoute une vertice. Ok, je repasse en mode objet, histoire de la déplacer pour bien montrer. Et quand je suis en mode edit, je peux plus la bouger. Je peux pas bouger le point, quoi. Et je peux pas faire d'extrude non plus, je peux plus rien faire. C'est curieux. UV sphère, subdivision 2. Air rendering as objet plume. Alors attends, on va aller voir ça. Ouais mais c'est de la triche encore ça. Attends, bougez pas. Donc tu m'as dit UV sphère subdivision 2. Alors déjà ça, UV sphère, c'est quoi? C'est une sphère classique ou Ah non, t'as UV sphère, ok. Ok, subdivision 2, donc deux segments j'imagine. Ouais. Ou ici plutôt. Ok, ça marche là, super. T'es vertice x2. C'est possible, hein, des vertices, ça. Mais t'inquiète, si elle indique qu'il y a une technique rapide avec ça, c'est qu'il doit y en avoir une, hein, c'est sûr. Non, c'est vraiment curieux. Regarde, je fais add, single vertice, le classique. Hein. Là, je suis en mode edit mode. Si je fais un extrude, j'ai rien du tout. Ça marche plus, quoi. C'est incompréhensible. J'ai un point bizarre ici. Alors attends. Non, j'ai pas de point pourtant. Ça me rend dingue. Je m'en bats. J'ai bien mes deux points, mais j'ai rien. Ça marche d'habitude ça. Gros bug, ouais, je pense que c'est un bug. Alors attends, je vais redémarrer le truc. On va bien voir.
du coup, je peux pas continuer ma plume comme je voulais. On va faire autrement, c'est pas grave, mais. Ouais, y'a rien à faire. Hein. J'ai bien mes points qui s'ajoutent par contre. C'est juste qu'ils sont, ils sont invisibles. Ça me rend fou. C'est pas grave. On va faire un plane. Je vais prendre tous les points. Ah mais attends, c'est peut-être parce que j'étais pas en mode point. Ouais, je vais tester. Attends ça. C'est peut-être dû à ça. Single vertice. Add point. Là je suis en mode point. Donc si je fais un extrude. Ouais c'est ça. J'étais en mode face en fait. C'est marrant. Ouais, pour merge au centre. Alors, donc là, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Ça me plaît pas du tout ça. Ça. J'aurais peut-être dû commencer par là-bas. Quelques petites coupes, on va donner un peu d'épaisseur à ça. Et là aussi, on va lui donner un peu d'épaisseur. On va faire quelques petites encoches, je pense, dedans. Et puis, il y a un peu ça quand même. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Ça fonctionne. Hein. Coupe ici. Merci. Comme ça, comme ça. On va en faire une autre par ici. Ça aurait été un passage éclair. Bonne journée à tout le monde, monsieur le troll. On se voit ce soir sur le Didi. Ça marche. Je me doute que ça aurait été un passage éclair. Ouais. Enfin, c'est un passage éclair pour toi, oui, effectivement, mais avec ta technique, je suis sûr que ça aurait été hyper rapide. Merci de ton passage, en tout cas.
Merde, j'ai appuyé sur C, ça m'a pas. Ça me l'a pas fait dans le. Je vais être obligé de recommencer. Chiant ça. J'ai l'impression, ça veut pas. Ah, pas grave. J'aurais dû faire ça avant de le dupliquer. Avant de faire l'épaisseur. Ça se verra jamais ce que je suis en train de faire. Si c'est sur un azo, tu prends le mesh, il y a un menu à droite. Proche des modifieurs, il y a 3 points. Non, mais en fait, c'est pas le R Particle System, ça je connais, mais c'est plus la technique de Alain surtout. Salut Jeritom. Je me doute, je sais faire du R, de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de coupes de cheveux, mais c'était pour voir la technique qu'il ferait lui, en particulier. Parce que Alain, il a des petites subtilités qui sont bien intéressantes des fois. Des petits raccourcis, des choses, tu penses même pas quoi, c'est plutôt intéressant de le voir bosser, ça fait 16 ans qu'il bosse qu'il fait de la modélisation sous Blender, il a de la bouteille quoi, et il est incroyable en termes de... Il m'a montré des trucs... Malheureusement, il est plus là pour apprendre. Ouais. Alors, allez, je vais donner un petit peu d'épaisseur à ça. Un petit peu moins quand même. On va extrude sur X. Comme ceci. Voilà, on a notre petite plume. Elle est trop belle pour le jeu, hein, de toute façon. C'est sûr. Mais au moins elle est là. On va joindre ça. On va la mettre par ici. Je vais déplacer par contre. Pour pouvoir la poser à plat. C'est dur ce matin. Tac, voilà. Et on va faire donc le texturing. Comment cette tige? Ça, on va le faire d'une couleur. Je vais mettre en bleu. Je vais mettre deux couleurs sur la plume. On va avoir des références de plumes qui ont plusieurs couleurs.
Il y a un petit dégradé en fait. Ah, ce serait pas mal que je me mette des petits dégradés sur ma texture là. On pourrait jouer avec ça. Je vais me rajouter des dégradés là, ça va être cool ça. Allez, c'est parti. Texture. Non, non, c'était pas pour un oiseau, hein. C'est vraiment... Je voulais juste faire une petite plume en fait, classique. Je voulais pas perdre de temps là-dessus. En parlant de plumes, eh, salut Marion. T'emportes-toi des plumes le soir quand tu pars en soirée? Alors, on est parti. Donc là, je vais faire... comment je vais faire ça? Comment est-ce que je me prévois ça? On va faire donc 3 dégradés. 3 dégradés, et on va les faire partir donc sur la ligne en dessous. Allez, on est parti là-dessus. Donc pour ça, il me faut des mèches. On est sur du 512. Donc il faudrait 512 divisé par 3. Sur du 170, ce serait parfait. 170 donc par 50. Je suis à combien? Je suis à 10 ou 20, je sais plus. Je suis à 20. 25. Et on va les positionner donc ici. On va se faire un petit dossier. On va appeler un dégradé. Donc je vais dupliquer ça. Ceci. T'as rêvé de moi cette nuit? Prends les couleurs que tu veux mettre. Je connais pas trop Photoshop, mais j'ai consommé plein de tutos. Il y a un truc avec le fil linéaire. Oh oui, non, mais t'inquiète pas, on va faire ça. Ça a duré une éternité le rêve? Bah, ça devait être que bien, alors, forcément. Alors, on est parti. On va faire un petit dégradé donc de rouge. Si tu veux bien mettre la couleur, toi, s'il te plaît. Allez. Non, tu veux pas mettre la couleur. Salaud. Allez, mets-moi la couleur, s'il te plaît. Ah, il est chiant Photoshop pour ça, c'est horrible. Voilà. Non, tu veux... Non. Non, tu veux pas. Alors, peut-être que je le mette ici, genre, tout simplement. Donc, rouge. Rouge, vert. Couleur web uniquement. Pas sûr du vert, donc. Le vert. Ok, et je repars donc sur mon dégradé, voilà. Non, tu veux pas? Voilà. Par contre, j'aimerais que ça soit plus l'inverse, si ça te dérange pas. Ah, il est curieux à utiliser, hein, ce truc. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi ça s'affiche pas, par contre? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a copié les dossiers et tout. Oh. On va y arriver. Alors, moi, je le veux à 0. Et c'est pas le bon. Donc rouge vert. En fait, je vais en avoir 4, je pense. Non, c'est bon, c'est 3. Si, parce qu'il faut que je fasse rouge vert, vert bleu et bleu rouge. Non, c'est bon, c'est ça, c'est 3. Okay.
et donc le rouge. Voilà, on a notre petit dégradé. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais je vais faire deux autres dégradés, donc enfin trois autres dégradés. Et on va partir vers le noir à chaque fois. Et vers le blanc. Et du coup tout ça. Descendre d'un cran. Donc celui-ci. Vers le noir. Et cela vers le blanc. Ah, j'ai pas pris les bons. Et pourquoi tu reviens complètement en arrière? C'est horrible ce Photoshop, je le supporte pas. D'accord, ça c'est de la merde. Donc ça c'est ceux d'en bas. Ça c'est le deuxième. Tu vas voir pourquoi ils vont être utiles. Je vais te montrer ça. Je finis juste ça. Donc on a dit vert du noir pour commencer. Allez, tu peux le faire. Voilà. Ensuite, il me faut rouge vert pour le deuxième. Et le troisième sur du bleu. Et ensuite le blanc. Le vert. Rouge. Ok, allez, on enregistre ça. Je vais mettre à jour Blender. Tac. Sur mes UV, donc on a tout ce qu'il faut. Donc je vais prendre mes plumes qui sont ici. Ça c'est quoi ça? C'est des bords. Donc ça on va faire une petite rotation à 180 degrés. Ça je vais le mettre, je vais l'étirer un tout petit peu sur Z comme ça. Alors la déformation c'est pas grave parce que je suis juste sur les UV de texture. La deuxième c'est les UV de light et là il faut absolument pas déformer. Donc je sépare bien mes deux. Ensuite je vais déplacer ça, je vais le tourner comme ceci. Et donc je vais faire mes petits dégradés de rouge à vert. On va étirer donc sur X comme ceci. Et comme ça, je vais avoir un dégradé sur ma plume. Voilà.
Ça va être cool, non? Et ça permet de travailler en primitive, tout simplement, sans souci. Vous en pensez quoi? Voilà. Et comme ça, je pourrais faire des dégradés comme ça sur mes objets. Alors par contre, c'est pas fou, c'est inversé, je pense. Quoique ça donne un effet sympa quand même d'inverser. Non, non, c'est pas bien. On va inverser tout ça là. Il y a un côté qui est inversé, pas l'autre. Oh la poisse. Ce côté jusqu'à là. Ça c'est bon. Ok, ouais, là, c'est ok. Je pense que je vais devoir coder du dégradé pour faire mon image, je vais galérer. Après, coder, hein, ça fait pas gagner plus de mémoire. Souvent, c'est le contraire. Des fois. Faire attention, hein. C'est pas parce que c'est en code et pas en texture que tu vas y gagner. Plume. Donc, on amène la plume directement ici. La sauvegarde parce que j'ai rouvert le fichier, voilà. Et donc je vais mettre ma plume ici. On va lui mettre donc le matériel. J'ai deux matériaux, c'est pas normal ça. Je vais supprimer ça, ça. C'est pas normal du tout. J'ai deux textures. Il a sorti le deuxième. Ah, c'est mieux. Donc primitive. Il faut que je mette à jour ma texture aussi. Pas le fichier de base, j'ai dû le déplacer. Il veut pas l'importer. Il va être chiant. Pourquoi tu veux pas toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est pas inversé, c'est bon. Je l'ai remis droit, ouais. On va regarder, sinon t'inquiète pas. C'est pas ça, mais c'est pas faire sur Photoshop, donc j'écris le code en Delphi. Sérieux. Bon, faire un dégradé sur Photoshop, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Bon, il va me faire chier, lui.
Il va me faire chier, il va me faire chier. On va utiliser une autre méthode. Méthode chiante, mais est fonctionnelle. Allez, on va y arriver. Je vais glisser ma texture là-dedans. On va se mettre en omnimap ici. Hop. Qu'est-ce que j'avais changé aussi? On va enlever le RGB, oui. Normalement, dans Advanced, je dois avoir. Nearest ici. J'ai pas mis en Nearest. Par contre, j'ai des petits défauts encore de texture ici. Curieux. Je les avais toutes mêmes. Bon, je regarderai ça. C'est mon noir en fait, mon transparent qui passe des trucs bizarres. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je vais supprimer. Non, pas celui-ci. Je vais supprimer celui-là. Je vais le remplacer donc par celui-ci. On va tout faire planter. C'est passé. Je vais faire un petit fix up director ici. Je vais prendre ma texture. Je vais la reglisser donc ici. On a contré une reel, ça y est. C'est ce qu'il faut pas faire quoi. Et donc je vais reprendre ma plume. Normalement, on doit avoir quelque chose de bien, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et effectivement, j'ai des inversions ici, je l'arrangerai en live, hein. Je vais pas m'embêter. Je vais le faire proprement, quoi. Et salut Pilulier, comment vas-tu? Hop. Et on va mettre la plume ici, et on pourra gérer les couleurs comme on veut. Donc là, en l'occurrence, on va mettre un peu de blanc, là, sur le manche. On va partir sur du blanc bleu un peu, je pense. Et on va partir sur du bleu noir, comme ça. Tourner par là et voilà. Et là on est bien. Bah écoutez, je suis assez content de mon gradient, hein. C'est un truc tout bête, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Ça marche plutôt bien. Ouais, c'est en primitive data, ouais. En fait, je me suis fait. J'ai ajouté un petit des petits gradients comme ça sur ma texture. Et puis je l'utilise, je fais les UV directement dessus en fait. Donc j'ai fait les UV comme ça, en étirant un petit peu, directement là. Ça marche bien, ça marche très très bien. Voilà, j'arrangerai ça, je vais pas le faire maintenant, je vais pas vous embêter. Ensuite, je vais mettre ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme objet? Je voulais faire un lingot d'or. Ouais, c'est tout bête, hein, vous avez vu, c'est franchement... Bah, ça marche plutôt bien. J'ai pas fait la couleur de... Cube et tu ajoutes le top. Ça veut dire quoi ça? Bah U est franchement bien. Pour pas juste glisser et remplacer. J'ai pas trop compris, Isaac. Tu parles de quoi là?
Faut pas changer le style du perso, du bureau, il est parfait tel quel. Tu veux dire en rouge comme ça, avec les couleurs comme ça? Ouais, il est parfait, ouais. Alors, on continue. Donc là, je voulais faire un petit lingot d'or. As-tu parlé du lingot, peut-être? Oui. Ça va être facile comme ça, ouais, effectivement. Donc, on va partir là-dessus. On va faire un truc comme ça. On va les tirer donc sur Y. Déjà, on va voir au niveau de la taille. Lingot, il y a un U, je crois. Hein. Lingot. Logiquement, il y aurait... avec un T, un D. Comment on écrit lingot? C'est pas possible. Je rêve. Lingot. Il n'y a pas de U, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, lingot 01. C'est la honte. Voilà, la taille du lingot, ça me paraît à peu près bien. Je pense qu'on va rester là-dessus. Lingot, merci les gars. Je vois que tout le monde sait écrire lingot, sauf moi, ok, ça me rassure. Ça me rassure énormément. Ça vous va un petit lingot de cette taille? On est riche? Ouais. Et salut Cassite, en passant. Des fois, on a des trous, hein, comme ça, c'est horrible. C'est encore un peu gros, je pense. Encore un peu. Il est sous ma gueule ou... D'accord. Depuis tout à l'heure, je le set en mode edit, en mode objet. Je pense que un peu plus large. On va être bien. Merci pour la gorgée d'eau. Alors, je vais faire ça. On va faire des petits bevels ici. Celui-ci. Pourquoi il m'a fait des bevels en bas là? Je vais sélectionner ça, je crois. Je sais pas si je fais des bevels. Je me tâte là, tu vois. Je suis pas trop fan en fait. Sans bevel, si il en faut un peu, mais
Peut-être que sur les côtés là. Légèrement, pas trop gros. Comme ça, je vais descendre légèrement ça là. Vous en pensez quoi? On est à peu près bien là? J'aurais fait que sur les deux edges, horizontal en longueur. Ouais, peut-être que t'as raison, je sais pas, ouais, quoique. Non, 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 j'aime bien comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait, Isaac. C'est exactement ce que j'ai fait. Après. Est-ce que je mets. On va regarder des photos de lingots. En même temps, ils sont droits les lingots en général. Moi, j'ai vraiment cherché à faire un truc un peu plus. C'est beau cette merde. Il y en a qui ont des lingots chez eux. Si oui, donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Ça me va, allez. Oui, mais pas d'adresse, ça marche. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Si, si, c'est bien. On va lui mettre un primitif. On va faire les petites découpes rapidement. On va supprimer les handguns parce que sinon Alain va m'engueuler encore. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, les primitive data, c'est des paramètres que tu envoies directement sur ton mesh. Des floats en général. Donc, tu peux faire des vecteurs et des floats. Et ces paramètres vont interagir avec le matériau que tu as sur ton mesh.
En fait, les primitive data, tu les trouves dans les dans tes meshes, dans tout ton environnement. Tu le trouves dans les détails qui sont par ici. Qui sont par ici. Alors, j'ai pas de primitive data sur celui-ci. Voilà, tu les trouves ici, là. Donc, c'est des petits paramètres de rendering. C'est pas du matériel. C'est des choses qui sont vraiment assignées aux meshes. Donc, ça veut dire que tu peux avoir 20 bouteilles comme ça, avec 20 couleurs différentes. Et tu n'auras qu'un seul matériel dessus. C'est juste qu'ils auront des paramètres supplémentaires. Et t'as pas d'instance de matériel non plus. Faut savoir que quand tu fais des matériaux avec des instances de matériaux pour changer les couleurs, ou que tu crées un dynamique matériel dans ton BP, le moteur va générer donc des matériaux supplémentaires et donc surcharger ta mémoire tampon de texture. Avec ce système, en fait, tu as qu'un seul matériel, une seule texture, et tu lui apportes juste des valeurs différentes dans l'environnement, sur le mesh, et pas dans le matériau, du coup, pas de surcharge. J'ai une question, j'ai commencé Unreal en 5.0 et j'ai vu que quelques trucs changent à la 5.1. Alors les inputs c'était à la 5.0, hein, mais franchement ouais, passe directement à la 5.1, t'embête pas. Reste pas à la 5.3, y a pas de changement, pas de gros changements. Les gros changements c'est sur des trucs que tu n'utiliseras pas pour l'instant. Sur les instances de matériaux d'ailleurs pour la génération procédurale. T'as des changements de. T'as plein de petits changements assez poussés, mais rien de. D'incroyable quoi. Et le système de Unchained Impute qui est arrivé à la 5.3, c'est un plugin qui existe depuis longtemps, qui était intégré en fait nativement à Unreal 5. Et tu vois, il n'est pas si compliqué à utiliser. Une fois que tu auras compris, il n'y aura plus de soucis quoi. Donc. On va découper. Donc tout ça, je vais le forcer. Ça, je vais le forcer aussi. Je vais forcer tout ça. Je fais pas ça directement. Il me faudrait une découpe. Smart. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais le foncer un peu. Je pourrais presque lui donner une couleur différente. Ouais, j'ai envie de jouer. On va faire ça. Franchement, aussi merci pour la découverte du mural, c'est vraiment bien. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésite pas à en parler autour de toi si tu as envie de. Si tu veux ramener des gens, si des gens veulent participer. En fait, le but, c'est vraiment qu'on ait suffisamment de personnes pour pouvoir tenir le projet et faire des défis toutes les semaines. Donc, n'hésite pas, quoi. N'hésite surtout pas. Tu pourrais me montrer comment on setup les primitives data STP? Ouais, je vais te montrer ça si tu veux. T'as les chuchotements bloqués, envoie-moi un message si tu veux, je t'envoie le lien du tuto. Ah, tu parles à. Ok. Alors, je vais vous faire un petit tuto rapide sur les primitives. Alors, j'en parle souvent sur le stream, mais je vais quand même. Je vais repasser dessus, je vais vous montrer ça. Je vais te montrer mon matériel.
En fait, les primitive data, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste une valeur que tu envoies à ton mesh, comme je t'ai montré. Et je vais te montrer mon matériel de primitive data. Grossièrement, c'est un petit peu comme les instances quand tu fais par exemple une constante en V1 ou V2 ou V3 ou peu importe. Normalement, quand tu veux créer une instance de matériel et avoir les paramètres de couleur dans ton instance de matériel, tu fais un clic droit et tu le convertis en paramètres. Paramètres que tu vas mettre par exemple color, comme ceci. Comme ça, quand tu auras un enfant de ce matériau, tu pourras gérer donc la couleur par la couleur que tu veux, quoi. Ok ? Dans ton instance de matériel. Bon, ça, tu dois savoir, je pense. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Pour faire de la primitive data, on va se passer de l'instance matérielle. On va juste aller dans les paramètres ici. Et tu vois ce qu'on appelle donc un custom primitive data. Donc là, tu peux l'activer. Il faut savoir que des primitive data, c'est que des floats. C'est pas des vecteurs normalement. Tu vas avoir des index par rapport à ton primitive data. Si je mets une constante V1 par exemple, et que je la convertis donc en paramètre, donc paramètre 1 par exemple, tu vas avoir, donc tu peux le transformer aussi en primitive data, et il aura l'index 0. Donc c'est la valeur de ça. Notre color, il va falloir qu'on lui mette l'index, enfin 4 index différents, parce qu'il a 4 canaux, d'accord? Donc on va démarrer tout simplement à 1, parce qu'on a déjà 0 ici, donc 1, 2, 3 et 4 pour les 4 canaux qui sont ici. Ok, donc ça c'était primitive data, elles sont forcément noires en valeur par défaut. Et après donc dans tes acteurs, tu vas dans n'importe quel acteur, alors c'est comme ça que je fonctionne sur tous mes personnages par exemple, tous les objets de mon jeu d'ailleurs en passant. Tu vas pouvoir set ces paramètres, soit dans l'environnement comme je t'ai montré en cliquant sur le mesh, soit dans ton event graph ou dans ton construct, peu importe. Tu vas prendre n'importe quel mesh en fait, tu vas faire un set primitive, et là tu vas trouver donc les vecteurs. Donc soit tu as un float pour l'index 0 là qu'on a mis, donc ce sera pour celui-ci. Donc là tu mets index 0 et tu sets ta primitive ici. Donc si je veux la valeur 50, il aura la valeur 50. Ou alors tu peux trouver donc un vecteur 4 et là tu vas lui envoyer donc du RGB. Tu break ça et là tu lui envoies la valeur de ta couleur tout simplement. Et là on va démarrer un. Et tu peux set donc tout ton mesh comme ça, les couleurs de ton mesh. Et ça, de faire ça en fait, ça t'évite de créer un dynamique matériel que tu vas faire avec ça. Create dynamique matériel instance. Et là, tu vas apporter donc un matériel, par exemple primitive. Alors, où est-ce que j'ai mon primitive? Voilà, ça t'évite de créer un matériel dynamique et de l'appliquer à ton mesh. Set matériel. Donc normalement, toi, tu fais ça, les gens font ça en général, voilà. Ça prend de la ressource parce que tu dupliques tes matériaux, donc c'est très gourmand. Ça prend zéro ressource, quoi. C'est vraiment fait pour de l'optimisation. Par contre, tu as beaucoup plus de contraintes, hein. C'est vachement... C'est de la primitive, hein. C'est très contraignant en termes de... tu peux pas faire tout ce que tu veux, quoi. Voilà, tu fais ce que tu veux du moment que tu utilises des floats, quoi, tout simplement. Voilà, je sais pas ce que je peux te montrer de plus, c'est vraiment les classiques. Et là, donc, tu vois, dans mes paramètres, j'ai ma texture qui est ici, donc tout mon matériel est basé sur cette texture-là. Et après, donc, j'ai mes primitives ici, donc mon red, c'est 0, 1, 2, 3. Mon green, mon vert, c'est 4, 5, 6, 7. Mon bleu, c'est 8, 9, 10, 11. Et mon gray, ça, c'est le quatrième canal que j'utilise, en fait, qui va jusqu'à 15, pour jouer un petit peu avec les matériaux, pour leur donner un peu plus d'éclaircissement, jouer avec les valeurs de ton de noir et de gris en fait. Voilà. Et après moi tout ça, je me suis fait une fonction ici pour convertir donc ma texture, convertir les couleurs directement ici. Donc je convertis chaque couleur de mon UV en fonction des couleurs qui sont ici. Et puis après, je fais un petit schmilblick ici pour éviter que mes matériaux, mes mèches soient tout noirs quand je les pose dans l'environnement. Ça permet d'avoir directement les couleurs parce que les primitives sont à zéro de base.
Donc moi, je leur applique directement des valeurs en fait RGB. Voilà. Je sais pas si ça te suffit. Si t'as compris un peu le principe. J'ai pas fait les yeux. Si, j'ai fait les yeux. C'est quoi cette merde? Pourquoi t'es comme ça, toi? Ça s'en fout, ça s'en fout. Est-ce que j'ai pas fait une merdouille dans mon truc? Non. Lingot. Importer mèche. Yes. Voilà, je peux faire ça. Donc après, il y a une autre technique. Si vous faites du RGB comme ça, ou même de l'aplat de couleur sur une texture ici là, il y a deux choses importantes. Enfin, il y a une chose importante. Si vous voulez bien gérer la light, la lumière. Il faut absolument que vous ayez plusieurs UV. Donc le premier UV, l'UV index 0, je sais pas si vous voyez là, ouais, il est au-dessus de ma tête. L'UV 0, ce sera toujours utilisé pour la texture dans Unreal. Après, vous pouvez mettre un deuxième UV pour la light, pour que le calcul de lumière se fasse correctement. Donc là, je vais prendre mes UV, je vais faire un UV wrap. Je vais avoir mes UV ici. D'ailleurs, en passant, je vais les espacer un peu. Comme ça, et là j'ai mon UV de lighting, et cet UV là, donc il est sur l'index 1 du coup. Donc là, je vais sortir mon mesh, mon lingot, je vais rapporter là-dessus. Et vous avez vu, ça a un peu bougé au niveau de la light parce que mon Unreal a détecté automatiquement que j'avais un index 1 sur mes UV. Donc j'ai une deuxième UV ici pour la light, et il vient de me l'activer ici en mettant index 1 ici. Donc voilà, maintenant j'ai tout mon lighting qui est fait efficacement et qui n'est pas déformé en fait, du fait que j'ai positionné mes UV sur les cases de couleurs de ma texture. Voilà, donc ça c'est important à faire. Pensez-y. Oui, Isaac, ouais, effectivement, ouais. J'avais oublié de le faire. Donc là on est bon. Et là je peux apporter donc mes textures. Alors les lingots, je pense que je vais les texturer à part. Je les ferai avec. Comment on appelle ça? Avec substance. À partir sur du jaune parce qu'il va falloir de la brillance et tout. De la réflexion. Je pense que je les ferai un peu différemment. Et ils sont très très droits, mais. Mes lingots. Il me fait chier ce petit message d'erreur qui veut pas partir là. Bon, casse-couille quoi. Donc après, tu peux utiliser une primitive data dans ton matériau aussi pour apporter de la brillance, du métallique, des trucs comme ça. Tu peux jouer. Substance Painter, ouais. Ouais, le Painter. Ouais, je le ferai pas en primitive, ça. Je pense qu'il faut vraiment que j'apporte du texturing dessus. Même j'apporterai des petits écriteaux dessus. On va ranger les lingots. Ils sont un peu gros ces lingots quand même, je pense. Ouais, ils sont beaucoup trop gros quoi.
peut partir aussi sur du gris. Gris métallique. On verra ça. Alors, maintenant, je voulais faire des petites bougies. Je me répète, mais je le trouve trop gros. On comprend pas que c'est un Lagodin. Je suis d'accord. Non, non, mais t'inquiète. Je sais pas s'il est trop gros. Mais il ressemble pas à un lingot, ça c'est sûr. Je pense que je vais le... Je vais le texturer. Quand je vais le texturer, ça ira beaucoup mieux. Je t'ai bien lu, hein, Pilu, t'inquiète pas. C'est pas la question de savoir si ça existe en vrai, faut faire comprendre que ça l'est. Ouais. Et c'est la difficulté quand on fait du stylisé et surtout du low poly. C'est simplifier les objets tout en faisant comprendre, en fait, faut caricaturer les objets et c'est pas évident ça. C'est vraiment pas évident. Mais avec un peu de brillance et un petit peu de logo dessus, ça devrait le faire. Ouais. Donc des petits bougeoirs classiques. On va partir d'un cylindre à 8 faces. Et en termes de hauteur, il faudrait que ça aille jusqu'à là à peu près. Beaucoup trop grand. Dans l'idée, le socle devrait être un peu plus grand, mais la taille de la bougie, ça devrait être ça. Ouais. Salut au prototype, bienvenue à toi. Et l'eau pour moi, ça ressemble plus au moule qu'au lingot en lui-même. Le moule du lingot, ouais, c'est pas évident, hein, c'est. Salut Jeff, t'es de passage? Qu'est-ce que tu racontes de moi aujourd'hui? Je vais garder ça, je vais le dupliquer. Je vais le monter légèrement ça. Et lui... Je vais faire le petit socle ici. On va l'agrandir un peu. Ça. On va faire un truc comme ça. Je vais exporter ça ici, on va le resserrer. Comme ça.
ça. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va tester. Ça fait un peu gros quand même. Ok. C'est pas évident avec la caméra vue dessus pour faire comprendre des objets, c'est une horreur quand même. C'est une horreur. Après, je vais déformer un petit peu. Ça, on va le descendre. On va plutôt rester là. Je vais faire un truc comme ça. Merci Crazy, merci beaucoup, bienvenue à toi aussi. Qui es-tu? Que fais-tu? T'es dans le dev de jeux vidéo un petit peu? Dans le dev tout court? Tu viens juste comme ça pour voir si ça t'intéresse? Que ça coule presque tout. Hein. Elle est trop propre ma bougie là, ça fait bâton dynamite presque. Et c'est en deux. Ce point, on va le resserrer sur X. Ça.
C'est mieux maintenant, au début on aurait dit un jouet pour adulte. Ça lui arrive souvent. Alors je suis TechLeak, mais dans le web, d'accord. Mais en perso, je m'intéresse de plus en plus à Blender, UE, etc. Donc ce stream va occuper mon écran secondaire pendant que je bosse. C'est cool ça. Ah oui, là tu vas être servi là, effectivement. Faut creuser le chapeau du dessus. Ouais, je pense, ouais, t'as raison. Je pense. Mais en vue dessus, en fait, c'est ma problématique, c'est la vue dessus. Si je le creuse, on verra plus rien. Donc c'est là où ça devient compliqué. On va voir, on va tester. C'est toujours... Faut toujours penser au top-down. Hein. Et des fois, on est obligé de tricher sur les formes. Voilà. Si je creuse un peu plus le chapeau, on verra plus. Mais ça prend forme. Pourquoi tu mets une saucisse dans le bougeoir à bouger? Bon, on va le faire hein, si tu veux, hein, y a pas de souci. Hein. Si tu veux une saucisse dans un bougeoir, hein, écoute, moi je réponds à tes souhaits les plus inavoués en fait. Tu comprends? C'est une grosse bougie, oui. Bah écoutez, hein, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Pas trop mal. On va faire plusieurs formes de bougies, hein, bien sûr. Donc ça, je vais faire un Alt D. On va le déplacer sur Y. Ici. Et je vais dupliquer celle-ci. Et on va la couper. On va faire 3 bougies. Sur une bougie, généralement, ça creuse au niveau de la mèche et non, pas ça érode les bords pour faire des arrondis. Ouais, ça creuse un peu dedans, ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va tester. T'as peut-être raison là-dessus. T'as souvent raison d'ailleurs en passant. Mais... Si je fais un truc comme ça, ça peut être pas mal, hein, carrément. Avec un petit bevel autour là. T'as une super idée, Jay, merci beaucoup. Ah ouais, c'est 100 fois mieux quoi, carrément, hein. Merci. Carrément. C'est ça de pas prendre des références, hein. Quelle honte. Faire du Blender et pas prendre de références. Si jamais vous faites de la modée, prenez toujours des références. Ouais, c'est 100 fois mieux. Salut Slarlef, comment vas-tu? Salut à tous, salut GoFloot, salut Pahu. Ouais, c'est mieux, ouais. On est d'accord, c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, je vais virer donc ces petits traits que j'ai mis.
Non, Batif, désolé. Stream français, même si je comprends ce que tu dis, voilà, par respect pour tout le monde, je parlerai la langue qui est prévue, tout simplement. Tu fais différents styles de bougies? Ouais, je vais faire deux, trois, je vais faire plusieurs formes, quoi. Mais peut-être faire d'autres bougeoirs après, effectivement, on pourrait avoir un bougeoir un peu plus grand. On va voir. Pour l'instant, on a besoin que de ça. Donc je vais sortir celle-là. Bougeoir. Alors, par contre, il faut que je change mon route ici. Donc on va faire ça. Cette origine 3D curseur, on va sortir celle-là aussi. Donc bougeoir 2. Et je vais mettre mon point de curseur ici. On va changer aussi le cette origine-là. Je vais sortir ça en 3. Donc je réimporte ça. On va voir ce que ça donne ces petites bougies là. Il y en a un qui l'a pas aimé, c'est le 2. Pourquoi? Curieux. Très curieux. Ces mots, il y a deux fois la même? Non. Ouais, on voit pas grand chose, hein. C'est vraiment des petits trucs, on cherche vraiment du détail là où y a pas besoin, quoi. Mais bon. Vas-tu gérer l'usure de la bougie pendant qu'elle se consume? Le code pour faire ça. Alors on pourrait, hein, mais franchement, je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça pourrait apporter au gameplay, quoi. Mais par contre, il va falloir faire un petit VFX de flamme, ça c'est sûr. Je trouve ça fou quand on fait du dessin ou de la modélisation. Il y a des trucs hyper logiques qui nous échappent, genre une bougie, ça se creuse au niveau de la flamme. Et quand on dit c'est évident, mais ça, en te voyant, je n'y avais pas pensé. Là, il y a plein de détails auxquels on pense pas, on croit que c'est logique et que ça se fait tout seul, effectivement. Mais quand tu fais de la modé, bah, t'es obligé de penser à tout et tout est important. C'est. J'ai pas assez creusé mon truc là. Je vais le creuser un peu plus. Je vais être obligé de faire un petit bevel, je pense. Je vais poser jusqu'à là. Je vais faire un bevel de ça. Sauf que... Ouais, c'est pas assez creusé, mais... Ouais, ça. C'est normal que certains objets sortent plus du décor niveau couleur. Quand tu parles de ces potions, de tout ce qui est rouge, de tout ce qui est en RGB là, c'est ça? Des bougies murales? Ouais, c'est prévu. D'ailleurs, il y a des poteaux qui sont prévus. Environnement, donjon, lié. Donc normalement, je vais mettre des piliers comme ça. Et je vais faire des suspensions de bougies murales en fait là-dessus. Alors soit des bougies, en fait ce sera des suspensions avec des petites chaînes, une petite coupole avec bougie dessus, ou alors ce sera un petit... comment on appelle ça? Je sais plus. J'ai perdu le mot. Enfin voilà, il y aura différents types de lumière, ça devrait être pas mal. Vraiment. Ouais, tu parles de ça? En fait, c'est parce que j'ai pas apporté de couleurs, tout simplement. Tous mes objets sont comme ça, dans tout l'environnement. Je peux leur apporter des couleurs. C'est juste que j'ai pas choisi encore quelle couleur j'allais mettre. Lui, par exemple, on va lui mettre une sorte de gris, je pense. Gris foncé, un peu rougeâtre, comme ça, tu vois. Voilà, tout simplement. C'est juste que j'ai pas fait les couleurs encore, tout simplement. Chandelier. Non, c'est pas chandelier, c'est les... Ah, c'est pas vrai. En plus, j'en ai fait. Probs. Alors, il y a des torches murales aussi que je peux apporter. Mince. Je sais plus. J'ai perdu le mot.
J'ai vraiment perdu le mot, quoi. Ça va me revenir. Ça va me revenir, ça va me revenir, mais... Brassero, on en a un, mais c'est pas ça que je cherche. Mais il y aura des petits Brassero, ouais, effectivement, des mini Brassero portatifs, là. Ça peut être pas mal aussi. Ah, oh, c'est pas possible, quand tu perds tes mots, hein, c'est le vendredi, ça, c'est trop dur. Hein. Merci, Mr. Pay. D'ailleurs, hier, on a bossé sur l'entrée, une des entrées du donjon. Ah, j'ai été trop vite, non, c'est bon, je vais te montrer ça. J'ai fait des tapis, j'ai fait plein de trucs. Je te montre. Donc j'ai commencé à faire les tapis, donc on a les brasseros ici. J'ai fait des grilles aussi au sol pour apporter un peu de lumière. Parce qu'il manque d'objets qui apportent de la lumière à l'environnement. Donc ça va me permettre d'apporter un peu plus de light. J'ai fait plein de trucs. J'ai refait les rambardes. Les rambardes aussi qui me plaisaient pas, qu'on avait commencé à faire mardi, je crois. Donc je les ai complètement refaites. Il faut que je les déforme un peu, elles sont trop droites, hein, de toute façon. Voilà, pas mal de petites choses, petites choses sympas. Donc le tapis, il est complètement modulaire, je peux l'étirer dans tous les sens, il n'y a aucune déformation au niveau de la texture. Donc voilà. Donc ça avance un petit peu, j'ai fait les murs là ici, j'ai refait un peu le sol. J'ai refait pas mal de choses. J'avais pas vu les nouveaux objets, ça agrémente pas mal ton niveau, c'est sympa. Ouais, ça commence à se compléter un peu, c'est encore un peu vide. Hein. C'est encore un peu vide, mais petit à petit ça vient quoi. Et on passera sur tous les levels comme ça. Et une fois qu'on maîtrisera vraiment le... Enfin moi que je maîtriserai un peu plus la technique là, de Blender, on passera à l'environnement extérieur, donc tous les environnements extérieurs. J'avais commencé à faire les rochers, on avait fait une roue à eau aussi, un moulin. On avait fait pas mal de choses. Il faut que j'attaque les arbres. Et l'environnement extérieur va être assez lourd à faire, à mon avis. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour l'instant, je pars dans du facile. Le donjon, pour moi, c'est un des les environnements les plus faciles, en fait. Dans ma tête. Ça se trouve, c'est pas le cas. Hein. On verra. Pareil, le bar, hein, l'auberge. J'ai bossé pas mal dessus. Et j'ai refait donc tous les rebords. Faut que je fasse le texturing d'ailleurs de mes nouveaux rebords qui sont ici. Y a pas mal de contenu quand même. Ça commence à vraiment se remplir correctement. Le bar aussi, faudrait que je lui apporte un peu plus de... Je le trouve trop plat en fait. Trop lisse. Donc ça me plaît pas trop pour l'instant. Mais ça commence à rendre pas mal. Hein. Ça vient petit à petit. Ça commence à avoir son charme là, avec la petite lumière ici qui bouge aussi. Vous voyez le petit feu qui change de... qui est complètement aléatoire, random quoi. Ça m'aille plutôt bien en ce moment. Je suis sur un jeu avec un éditeur de niveau, mais en te voyant faire un jeu avec de la génération de salles, ça me tente bien d'essayer aussi. Vas-y, tente, hein. N'hésite pas à demander si t'as besoin de conseils. Après, ça, il y a beaucoup de contraintes, hein. C'est... Si tu veux faire ça bien, faut gérer pas mal de choses quand même. Parce qu'on croirait pas, on pense que faire la génération c'est plus facile, mais ça demande quand même pas mal de boulot. Alors. J'hésite à forcer mes edges là, ici. Non. Ici peut-être. Même si ça se verra jamais tout ça. C'est dur pour un graphiste de se dire je vais faire des choses qui se verront pas dans le jeu ou personne fera attention. C'est horrible. Je suis en cours d'écriture d'un plugin pour la génération de niveau en ce moment. Le sacré plugin sur lequel je bosse depuis quelques jours. D'accord. Ben moi je suis en train de faire un plugin aussi justement, ma génération de niveau. J'ai fait tout un système de plugin en fait qu'on pourra activer à partir d'ici.
Et je le mettrai peut-être en vente. Je vais essayer de le rendre complètement modulaire. Et je l'améliore au fur et à mesure de faire le jeu. Donc, tu vois, à mon avis, il sera énorme à la fin, quoi. Je bosse tellement dessus que... J'arrive à générer des chemins simples pour l'instant, j'avance bien, mais c'est gros à gérer pour couvrir tout ce que je souhaite faire. Ouais, il faut penser à toutes les possibilités. C'est vrai que ça demande pas mal de boulot. Alors... déjà, le bougeoir... On va faire un Smart UV Project. Non, je vais le découper. Alors, je voulais pas trop faire du UV ici, en live, parce que c'est un peu long à faire à chaque fois. Ça, je vais le découper. Mais je vais en faire un petit peu ici, quand même. Après, je vous en fais plus, promis. Je vais smooth tout ça. Je vais appliquer donc un auto-smooth ici à 45 degrés. Je vais découper ici. Je vais forcer mes edges si elles veulent bien. Ici. Ici. Et ici. On va refaire une petite découpe ici. Comme ça. Alors, là, je vais faire un petit incé ici, un petit incé là. On va prendre les points, on va les merger ensemble au centre. Pareil pour ça. Voilà. Comme ça, on n'a plus d'engrain. Je vais être obligé de découper donc. Un côté. Voilà, comme ça on a le découpage. Loin à se lancer la 5.1. Ça va, elle a du mal. Bon, elle est aussi lourde. De toute façon, la 5 est un peu plus lourde que la 4, hein, la 4.27. Hein. Mais sinon, ça va quoi. On a vu pire. Du coup, je vais faire ça avec la bougie. Ou alors non, je sais. Mon UV map de ça. Je vais la caler. Ici. Je vais réduire un peu, c'est pas très grave. J'aurais dû faire mes UV de bougie avant de les dupliquer. J'ai merdé là. Que je vais découper ici. Ici. Du coup, ça, j'ai pas besoin. Voilà, on va toutes les faire comme ça. Bring it back.
vais découper là aussi. Ça, j'ai pas besoin non plus. Donc cette petite chose à faire. Et donc les UV, c'est parti. Ça, on va le mettre par là. Vraiment c'est vraiment du chipotage hein, ce que je fais là. J'aurais pas dû faire ça. Je vais supprimer ça. Je vais en ajouter une. Donc toi tu vas aller là. Donc la bougie, le socle lui, il va être là. Cette partie-là, je l'avais en moi. Ensuite la bougie, elle. Non, c'est pas vrai, le joueur, il va scruter tous les détails. Je fais pas tout ça pour rien. J'avais pas lu, ouais. Ouais, on va faire les coulures, Jay. Mais je suis pas sûr que ça se voit vraiment. C'est des objets tout petits, donc... Si je commence à faire des coulures, ça va faire des triangles en plus qui sont pas forcément nécessaires. Donc je pars du principe de pas les faire pour l'instant. Et je vais peut-être déformer un peu plus ces bougies, c'est tout. Ouais. Chaque fois, j'arrête pas d'appuyer sur les mauvais raccourcis ce matin, je sais pas ce que j'ai. J'ai envie de lui apporter une petite couleur différente là, à l'intérieur. Feet are finally grounded with you.
vert juste foncé et on garde la couleur pour d'autres trucs comme ou éclaircir plutôt. Ouais, on va faire ça. Donc toi. Tu gênes un peu toi. Ça peut pas marcher, hein, c'est horrible. Sortir tout ça. Désolé, ça a été un petit peu long. Bougeons 1, 2, 3. Je ferai d'autres variantes avec des bougies pétées ou des grosses coulures sur le. Ici, là, en fait. Peut-être rajouter des petits détails comme ça, ça pourrait être pas mal. Histoire d'apporter vraiment cette variété. Je pense que je vais y aller vers 30 et je reviendrai cet après-midi vers 14h si tu live encore. Ouais, bah on reprendra le live à 14h ouais, cet après-midi. Donc avec plaisir carrément. Voilà mes belles bougies. Et surtout bon appétit à toi. Et passe une bonne fin de matinée. Alors, qu'est-ce qu'on leur met comme couleur? Donc sur le rouge, on va partir sur quelque chose d'assez doré, un petit peu comme les... Comme la balance, je pense. En train de me demander si si je fais pas une primitive data avec avec de la gestion de métallique et de rudeness. Je veux pas trop mettre de métallique dans le jeu, mais donc la bougie elle pourrait être un peu blanche, voire rouge. On va apporter un peu de couleur à la remarque, à l'environnement. J'ai mon truc qui marche plus encore, putain c'est chaud. Après avoir du blanc, on est dans un truc un peu sérieux quoi. On va partir comme ça. Donc ça, on va le garder pour ici. Lui, on va le mettre par là-bas.
Ouais, presque une petite poignée sur le côté du beau jour, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une légère petite poignée là, quelque chose. L'impression que c'est les deux mêmes. Ouais, on est d'accord, hein, c'est les deux mêmes. J'ai un problème de texture ici, c'est possible ça. Oh, ça va, c'est la bougie qui rentre dedans à mon avis. Parce qu'elle est pas routée au même endroit. D'accord. 7 origines, 3 des curseurs, voilà. Ok, là c'est bon. Il me semblait bien qu'il y avait un petit souci, hein. Voilà, c'est mieux. Plus simple pour la variante de poignée. Ah, allez, on est parti pour la variante de poignée alors. Vous êtes chiant un peu. Alors, comment on va faire ça? Je vais faire ici et ici. Peut-être pas. On va faire deux incés là. On va extruder ça. Je vais tourner la bougie quand même un peu. À 22,5. Comme ça on peut travailler correctement. J'essaie des choses. C'est pas si mal, hein. Ça aurait pu être pire du premier coup. On essaie d'arranger un peu tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout simple comme ça. Ça dépend, on est chiant ou pas. Mais non, vous êtes pas chiant. Vous êtes horriblement chiant, c'est pas pareil. Allez, validez.
débrouille-toi alors. Nous avons l'exigence en rapport avec tes capacités, l'ami. Oula, mais j'ai de si grandes capacités que ça. Non, c'est important d'être exigeant. Et honnêtement, comme je dis tout le temps, c'est aussi grâce à vous que j'arrive à aller au-delà de mes capacités largement, quoi. Parce que vous êtes là justement pour me donner les bonnes idées, m'apporter ce qu'il faut pour faire les choses correctement. Et puis, jamais je vous demanderai d'être conciliant ou autre chose, au contraire. Il faut vraiment que... J'adore la critique, hein, c'est... Pour moi, c'est une évidence, la critique. Ça permet d'avancer, c'est... Il faut savoir l'accepter, en fait. Faut qu'elle soit constructive, hein, bien sûr, mais... Rattrape-toi. Toujours, je suis un expert. Écoute, ça fait presque 10 ans que je suis avec une fille, presque 10 ans d'expérience de rattrapage et de sauvetage de précipice. Crois-moi. Donc, du coup, je vais pas vous embêter avec les UV. Hein. On va juste vérifier que ça soit à peu près correct et je les ferai proprement. Ça. Je vous laisse à plus, ok, ça marche. À plus tard, bon appétit. Une petite rotation des mèches. Je ne sais pas si elles seront visibles. Non, ce sera pas visible du tout. Ça sert à rien. J'adorerais hein, faire des trucs plus détaillés et tout, mais ce sera pour le prochain jeu. Si je pars sur un FPS de taré, là j'aurai plus les capacités de faire des trucs intéressants au niveau graphisme. Je pense que le prochain jeu, si je continue comme ça, vraiment je m'amuserai. J'appliquerai tout ce que j'ai appris cette année et on partira sur des trucs de fou quoi. D'ailleurs, je vais séparer. Ça, comme ça on fera une version avec poignée et sans poignée du coup. Ça me paraît logique. Donc ça, en 2B, et ça, en 3B.
Ça veut dire que le prochain jeu, tu le feras 100% tout seul aussi? Je sais pas, ça dépendra de ce qui se passera cette année. Savoir que en début d'année, là, j'ai tenté hein, de faire un truc à plusieurs. Mais bon, c'est compliqué de s'organiser avec d'autres personnes. Je le souhaite, hein. Moi j'adorerais faire un truc à plusieurs. Et puis bon, comme toujours, hein, mon but c'est de monter un studio, donc à un moment donné, il va falloir embaucher, quoi. Donc si tout se passe bien et dans l'idéal, ce sera plusieurs, oui, effectivement. Tu parles bien de jeu? Ouais, je parle bien de jeu, ouais. Ok. Bon, ça me paraît bien, ça ajoute un peu. Donc là, on a plein de petits éléments, c'est cool, la plume, le lingot. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre maintenant? Je voudrais faire un balai et un râteau. Alors le balai, je voudrais vraiment un vieux balai tout pourri. On fera peut-être deux balais. Il est quelle heure? Il est 34, on a le temps. Ouais. On a le temps de finir le jeu là. Alors, bougeoir. Ok. Donc pour faire un balai. Donc pareil, on va le faire en primitive data celui-là. Je vais commencer par faire un petit cylindre avec 6 faces. Un petit peu plus long. Plus fin. Donc faut que ça fasse à peu près la taille du perso. Qu'il soit plus fin que ça. Ça fait la taille d'un mur, ça. On va descendre ici. Je vais exporter ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc balai 001. Ouais, c'est largement trop grand. Ça, c'est du balai de compétition, là. On est dans Harry Potter là. Le 3000. Pourquoi pas? Tu me donnes des idées à la con là. C'est trop petit. Même si le balai va arriver à peu près à cette hauteur. Ouais, quoi que. Je vais le mettre contre un mur. Ah, faut que je le monte un petit peu quand même. Merci pour la gorgée d'eau, je prends ça avec plaisir. Alors, comment on va faire ça? Déjà, je vais le rendre un peu plus fin encore. J'ai peur qu'il se voit plus après, mais. Je vais monter encore un petit peu ici. Et alors, comment on va faire tout le bordel là? J'ai jamais vu un balai de ma vie, moi. Donc, je vais partir d'un cube.
partir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. À l'époque, il se servait de paille pour le balai. Donc un balai type sorcière, ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire malgré tout. J'essaie de faire un petit truc vraiment. Après, est-ce que je vais mettre du texturing ou pas? Bonne question. Ce que je pourrais faire, c'est mettre des petites découpes. Plus long la partie paille? Ouais, je pense que t'as raison. Ça se verra pas. On va voir ça. Pas de beaucoup, mais il va falloir, ouais. Salut G. Comment ça va aujourd'hui? Alors, j'ai monté ça légèrement. Pas trop non plus. Au moins la montée là, quoi. Ok. Je vais mettre quelques petites coupures ici. Donc on va partir comme ça tout simplement. Comme ça. Et comme ça.
pourtant j'ai fessé, mais il m'a pas trop pris en compte, ce con. Il manque une coupure au centre. Là. Ça c'était fait, je crois. Très bien. Donc je vais enlever tous les morceaux là qui me servent à rien. Ah, je vais avoir ça à faire aussi. Non, pas pour emballer, non. Pas besoin. Ok, ça comme ça. Comme ça. Et c'est comme ça. On va enlever les handguns après. On va déformer un peu tout ça. Ça peut le faire. Et on va remonter un peu. Ça du coup. Impeccable. Ouais, je m'en sors, AJ. Ça avance plutôt bien, ouais. Bon, c'est les bonnes pratiques là. C'est les pratiques à exécuter avec beaucoup de talent, comme tu peux l'imaginer. Alors, on va smooth tout ça, on va faire ça, et je vais donner donc des edges un peu durs sur tous les flancs ici. Ça. Tout mon contour dessous, pareil. Aussi, je vais le...
Je vais aplatir ça. Voilà. Ça va aller, je suis. C'est le balai de Harry Potter. Ouais, totalement, ouais. C'est le flow de 3000. Il est encore plus puissant que celui de Harry Potter. C'est, voilà. Il n'y a pas d'équivalent. C'est un balai extrêmement puissant, magique. J'ai un peu peur pour ces edges quand même si ça se verra pas. Je vais faire un petit bevel. Très léger. Je vais descendre toute cette partie là. Exporte ça pour voir. Bah, ça en fait du bordel. Bon, ça marche, on voit les petits trucs. Le balai est un peu fin maintenant, par contre je vais grossir le. Je vais finalement grossir le manche, on va le déformer un peu aussi. Je pense que je vais tout grossir en fait. Juste sur Y, légèrement comme ça. Et le manche, je vais le découper comme ça. On va le tordre légèrement là. Ça. Je vais le pencher légèrement comme ça, je vais le grossir. Je vais grossir ça aussi. Je pense que je peux y aller un peu plus franco là. Petit contrôle S, ça marche. C'est un peu mieux. Même si c'est. Ça reste du détail encore, hein. C'est toujours. C'est des petits trucs. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il est bien fin quand même ce. Ah, faut que je le rende plus épais. On va finalement englober le.
Quoique c'était très bien comme ça. Et ça, je vais le poser contre le mur. Ouais, déjà on voit beaucoup mieux le manche. Par contre, ouais, je l'aime pas. Hein. J'aime pas du tout ça. Bon, si ça va. On va lui apporter un peu de couleur, on va voir ce que ça donne. Alors je vais pas faire les UV maintenant, donc je vais faire un Smart UV Project pour l'instant. On va juste lui apporter la couleur. Donc tout le manche va être en rouge. Ça, ça va être en vert, logique. Et le petit truc en plus là qui est ici là, ça va être en bleu. C'est pas vert là. Ah oui, ils sont détachés. On va juste apporter un peu d'éclaircissement à celui-ci. Voilà. Cette partie là. Ok. C'est pas rond à la base, le vieux balai. Peut-être, mais bon, faut que ça ressemble à un balai aussi. Hein. C'est ça la difficulté dans un jeu vidéo, c'est que tu peux pas être extrêmement réaliste non plus. Et c'est pas le but du tout, là on est vraiment sur un style très fantasy dans ce jeu. On va voir des balais classiques, balais bros classiques en fait, je vais en faire un rectangulaire et... Et j'aurai peut-être une serpillière effectivement dans les chiottes, plus blanche avec un truc plus rond, tu vois. Voilà. À la limite. Je vais le faire un peu plus clair sur... Donc ça va être plus dans les tons jaunes. Jaune paille, un peu blanc. Il va falloir que je fasse des petites rayures dessus quand même. Ouais, on va faire ça. Et ça, ça va être gris, gris as fuck. Bon, il lui faut des petites rainures de paille. Là, ça fait trop lisse, trop... J'ai presque envie de tout détailler des fois dans mes objets. Et c'est une horreur parce que il faut pas. Déjà, je vais déplacer les lignes que je veux. Hey l'artisan, salut à toi. Ça faisait longtemps, dis-moi. Bienvenue à tout le monde.
Bienvenue à tous et puis j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon live, comme d'hab. Hein. J'ai cru que c'était un vrai crash de... J'aime bien troller les gens avec ça. Je me suis appliqué à le faire en plus ce truc. J'ai trop subdivisé en pensant que j'ai vraiment fait n'importe quoi là. Salut. Alors, juste pour le test, qu'est-ce que ça va donner si je pars sur les trucs comme ça? Je pars sur du noir directement en fait. Est-ce qu'on va avoir des impressions de paille? Ça j'en doute. Hein. Ou alors je texturerai et puis on n'en parle plus quoi. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Donc je pense que je vais faire des creux plutôt. Puis il est trop jeune ce balai quoi. Donc voilà. Bah écoutez, ce qu'on fait, on est en train de faire ce matin, on est en train de faire plein de petits objets, plein de petits props en fait pour le jeu, histoire d'apporter un peu de vie à l'environnement et le rendre un peu plus humain, un peu plus cool. Voilà, donc on a fait plein de trucs ce matin, plein d'objets. Donc ça avance bien. Je commence à me trouver un bon workflow et puis je commence à maîtriser de plus en plus Blender. Blender est pas évident à utiliser quand même hein, à la base. Mais là je sais pas, je commence à me sentir un peu plus à l'aise. Donc on a fait plein de petits trucs comme ça. Pour ceux qui connaissent pas le projet, pour qui débarquent avec le raid, je suis en train de créer un jeu en fait en solo. Je fais tout, je fais la modé, le code, etc. Et je fais un jeu de gestion. Gestion RPG un petit peu. Donc voilà. Et puis là je génère en fait des salles dans un donjon procédural. Donc c'est un donjon qui va se créer au fur et à mesure du déroulement de la quête. Et puis on fait plein de petites salles comme ça. Et je fais tous les objets qui me manquent donc pour l'environnement. Bon app les amis, je suis pas dev. Qu'est-ce que vous faisiez en live? Comme d'habitude? Dis pas ça, j'arrête-toi. Je pense pas non. Donc ça me plaît pas ça. Je vais revenir en arrière là, j'ai fait des trucs dégueux là. C'est pas chouette ça. Je pense que je vais le finir en live parce que je vais pas vous embêter avec ça. Et c'est horrible hein, parce que ça me donne vraiment envie de passer sous substance avec le balai. En fait, il faudrait que je me fasse une collection d'objets qui sont un peu texturés. Je les rassemble tous. Du coup, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et une fois que j'aurai pas mal d'objets dans ce style, on les texturera avec substance tous ensemble et on les mettra tous sur la même texture. Comme ça, il n'y aura pas de texture supplémentaire. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ouais. Ok. Et par contre, on va changer la couleur quand même. Ah oui, j'ai plus de manches. Ça, c'est pas mal aussi. Salut Aizen, comment vas-tu? Vous démarquez tous à la fin les gars, je vais aller manger quand même. Donc un truc plus paille. Ça reste jaune mais plus foncé. Évident de trouver de la paille. Je vais foncer mon manche un petit peu. Voilà. Après, hein, dans la scène, on fait même pas attention quoi. C'est surfait de manger? Ah ouais? Vous mangez quoi à midi vous? Il y en a qui ont de bonnes idées là, parce que je sais vraiment pas quoi faire à manger. Alors du coup, on a fait le balai, il va me rester... Ben bon, franchement, cette pièce là pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. Juste apporter des objets de plus, mais on les apportera au fur et à mesure de les faire.
Cet après-midi, on attaquera la chambre de la garnison. Donc il y aura des lits à faire, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on va devoir faire. Faut que je fasse des coffres un peu plus rectangulaires, un peu plus simples. D'ailleurs, j'avais un coffre à mettre dans cette pièce. Un coffre-fort. Je vais le mettre. Pareil, je ne sais pas quoi faire pour déjeuner. Choucroute chez moi? J'ai? Choucroute, voilà, ça me donne envie, ça, une petite choucroute là. Tagliatelle au saumon. Oh putain, vous me donnez faim. C'est horrible. Alors, c'est pas la caisse que je veux. Faut vraiment que je range mes props là. Normalement, je dois avoir coffre. Coffre, voilà. Il est un peu gros ce coffre. Y a pas moyen de le loger lui. Où est-ce que je vais caler ça? Il faudrait qu'il soit derrière le bureau, mais à la limite je décale un peu tout ça. Là. C'est par là. Ça, c'est pas définitif. Hein. La petite caisse, je vais la mettre plus par là. Ouais, je pense que je ferai un coffre exprès, à mon avis. Mais ça peut être pas mal. Faire de nouveaux coffres. Je vais sûrement manger des pâtes. Pâtes bolo? Ouais, tout le monde mange des pâtes en fait. Je vais finir par me faire des pâtes aussi. Hein. Ouais, ça fait un peu chargé hein, côté droit. On est très très chargé là. Ça me plaît pas trop. Ou alors je fais un coffre mural. Un petit coffre mural, ça pourrait être pas mal. On verra petit à petit. C'est vendredi saint, faut manger du poisson. C'est vrai que normalement le vendredi on mange du poisson quoi. C'est la base. C'est surtout que ça force à manger un peu de poisson dans la semaine. Ok, on verra ça. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller faire je ne sais pas quoi à manger, tant pis. Je verrai bien. Et puis on se retrouve à 14h donc pour la suite. Cet après-midi, soit de la modée. On va faire tout le dortoir. Soit je fais un peu de code et on va commencer donc le système de combat dynamique pour tester. Donc on a fait le système de combat tour par tour. Les bases sont posées. Je vois à peu près ce que ça peut donner. Maintenant j'ai vraiment envie de tester du combat dynamique, voir si ça peut être plus intéressant, si on arrive à avoir, si on arrive à le faire correspondre au style de gameplay que je veux. Voilà. Donc je vais réfléchir, je vais voir. Je vais essayer de me préparer les éléments qu'il faut et puis voilà, on se retrouve à 14h du coup. Merci à tous, merci beaucoup, bon appétit à tous d'ailleurs. Et puis merci d'avoir été présent et puis pour le soutien comme d'habitude. Je vais pas faire de raid parce que tout le monde part à manger à cette heure-ci. Je vais quand même voir qui est présent sur le dev. Qu'est-ce qu'il y a ma caisse? Qu'est-ce qui t'arrive? Oula, mais il y a personne qui stream ce matin. C'est un truc de fou quoi. Bon, c'est pas grave, on raidera plus tard. Mais du coup, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit à tous. Mangez bien, mangez pas au micro-ondes comme d'hab. Hein. Et faites à manger à vos animaux aussi, à votre femme, dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà. Allez, bonne nuit. À tout à l'heure, ciao.
Another dimension.